Cyberespace. Technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital. Une Algérie 2.0. Cyberespace sur Alger Chaîne 3. Bonjour Samy, dans l'épisode de Cyberespace d'aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la formation au niveau des universités, synonyme de compétences dotées d'une maîtrise des nouveaux concepts technologiques ou intéressées par la voie de l'entrepreneuriat avec les startups qui enregistrent ces dernières années un développement progressif grâce notamment à différentes formes d'accompagnement. Des projets et autres réalisations qui nécessitent un savoir-faire, un ensemble de compétences à maîtriser pour valoriser toute étape contribuant à une numérisation synonyme de réel changement en termes de modernisation de la gestion. Interconnecter des systèmes, assurer leur continuité, leur maintenance ou proposer des services en ligne pratiques en rapport avec les besoins et exigences des citoyens, tout cela nécessite des connaissances, une maîtrise de ces nouvelles technologies, notamment à travers la formation, l'enseignement qui chaque jour contribue à doter une myriade d'apprenants et d'étudiants d'un savoir avec des méthodes qui s'adaptent avec le développement technologique. Il s'agit de rapprocher la recherche scientifique du marché, en d'autres termes de mieux valoriser les résultats issus des différentes recherches au sein des universités, en s'appuyant sur le numérique pour faciliter le suivi, l'évolution des projets, ainsi que leur concrétisation dans le cadre du programme Un Diplôme, une start-up. Des start-up qui ont connu ces dernières années un développement progressif, d'où l'engagement de l'État à soutenir et à financer tout projet innovant, pouvant apporter une réelle contribution à la résolution de problématiques, en privilégiant la qualité des projets, ainsi que le savoir-faire d'une jeunesse qui aspire à développer davantage des processus au sein de plusieurs secteurs. Des projets qui pour la plupart exploitent de multiples facettes de la technologie, du numérique pour aller vers des approches ou solutions modernes, synonyme d'automatisation des processus, donc d'une productivité accrue, avec parfois le recours à l'informatique, à l'intelligence artificielle et détecteurs ou indicateurs qui constituent un outil d'aide par excellence à la prise de décision et pour le contrôle d'une quantité importante de paramètres sur le terrain.